soir, madame. Au revoir, Théo. Bonne soirée, madame. Bonne soirée, Juliette. Maman! Maurice? Hein? Tes parents m'ont chargé de te ramener chez toi. Excusez-moi, vous êtes un ami de la famille? C'est la première fois que je vous vois. Oui, ses parents m'ont chargé de le ramener chez lui. Je suis... l'oncle Bob. Je suis désolée, je vais devoir vous demander une pièce d'identité. Je ne veux pas laisser partir un enfant comme ça. Vous comprenez bien qu'il ne serait pas très responsable de ma part de laisser partir les enfants avec des inconnus. Sors. Sors. Tu as poussé le bouchon un peu trop loin, Maurice. Thank you.
Un petit canard au bord de l'eau. Attention, une grosse guêpe. Vite, faut l'attraper. Bonjour Monsieur Canard. Bonjour Monsieur Canard. Oh, où est-ce que vous allez? On va aller dans la piscine. Ouais. Et au fond de l'océan, trouver le coffre au trésor. Ouais, le coffre au trésor, très bien. Allez, moi l'aventure. Petit canard. Canard, petit canard. Fais-moi un bisou. Oh, c'est dégueulasse. Bois la tasse et tu trépasses. Bonjour, je suis Yvette, votre voisine d'en face. Je vous ai fait ce joli cake pour vous souhaiter la bienvenue dans notre charmant quartier. Un cake? Oui, un cake, un 4 quarts quoi. Mais il est encore chaud, il sort du four. Je vais, si vous permettez, je vais le déposer dans la cuisine. Vous avez une femme? Non. Une copine, alors?
Ne me dites pas que vous êtes un guérison. Je n'ai rien contre ces gens-là, mais vous admettrez que ce n'est pas très catholique, un homme avec un homme. On voit de tout de nos jours. Pas très consomme. Je vais poser ça là. Vous êtes gazettophile, je vois. Je ne vais pas tarder. Je crois que j'ai laissé mon fourche allumée. Au revoir. Allô? Voilà! Oui, ça va et toi? Voilà! Oui, oui, écoute, voilà. Je suis en train de faire du babysitting là. Voilà! Mais je te dis, c'est pas trop voilà. Le swag. Ouais, voilà! Je sais bien. En plus, tu l'entends là, le gosse, il arrête pas de répéter voilà, voilà. Voilà. En plus, voilà. Je suis payée la misère, je te dis pas. Voilà! Non, mais bon, il reste plus que voilà. 2 heures à tirer, c'est bon. Et voilà! Toi, ça va? Oui. Voilà! Non, mais je te voilà. Dis, je suis pas du tout en état d'aller là-haut. Voilà! Punaise, quoi. Voilà! En plus, c'est Azur voilà. Qui m'a envoyé un message pour voilà. Me dire, allez, viens et tout. Je fais, non, dis-moi, voilà. Je suis en babysitting. Voilà! Ben oui, je sais bien. Voilà! Ouais. C'est maman en mode, ouais, viens et tout. Mais non, je te dis, moi, c'est pas possible, ça va pas aller. Mais non, mais je te dis qu'il m'a envoyé un je message peux? Et ça. Oui, allez-y, si vous voulez. En gros, moi, je lui ai dit. Moi, ça m'a trop saoulé qu'il passe son. Voilà. Thank you.
Vous êtes le magicien ? Oui. Vous faites de la magie, vous ? Qu'est-ce que tu as derrière l'oreille ? C'est ma main. Tu l'as échappé, belle.
Monsieur et Madame Assar, je suis l'oncle Bob. Émile rentre tous les jours de l'école à pied. Il aime regarder la télévision. Il adore les bonbons. Vous avez une photo ? Beaucoup de gens font appel à vos services ? Oui. Et ils sont satisfaits de votre travail ? Très, oui. Combien demandez-vous ? Ça dépend. Est-ce que le corps doit être retrouvé ? Est-ce que ça doit avoir l'air d'un accident ? Doit-il souffrir ? Est-ce que vous voulez qu'il meure d'une façon particulière ? Est-ce que vous souhaitez récupérer la tête ? Récupérer la tête ? En souvenir ? Ou une vidéo alors ? C'est son jouet préféré. Je vais garder ça. Monsieur et Madame Assar, considérez notre marché conclu. Vous serez bientôt à nouveau un couple heureux. Cet enfant, il est incontrôlable. C'est le portrait craché de son père. Mauvais bulletin. Il est vraiment inhumain. Il est malade. Je veux pas qu'il souffre.